Salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà les gars, dans cette vidéo on va faire une sorte de draft à concept. Voilà, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de draft. Alors voilà, nouveau concept, bien sûr, beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait. Mais voilà, je le refais parce que j'ai bien aimé ce concept. Et puis je trouvais quand même pas mal de tenter de faire une vidéo du style. Donc voilà les gars, alors le concept tout simplement c'est qu'on va choisir, ce sera une draft hasard, au hasard, on va choisir un numéro, le numéro 1, voilà c'est fait, on a choisi le numéro 1, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir l'entraîneur numéro 1, tous les joueurs numéro 1, quoi que ce soit, voilà les gars, tout en numéro 1, donc on va rentrer dans cette draft, voilà les gars, 15 000 crédits, donc c'est parti, donc je vais juste regarder, voilà, la composition. Voilà, on va quand même prendre la 1, c'est de la merde. En plus, 4 défenseurs, on va avoir de la merde. Les gars, j'hésite à choisir quand même la composition. Vous savez quoi, on va quand même choisir la compo, les gars, parce que sinon, on va avoir de la merde. Donc voilà, on tombe sur des gros joueurs, on va choisir Sanchez, parce qu'on est obligé. Et ben voilà, le risque de cette draft, putain. Bon, on tombe sur du Neymar, boost. C'est quand même du lourd, mais on passe à côté d'un Cricri. Totti, donc c'est chaud. Voilà, Mkhitaryan. On va pas trop tarder quand même parce que voilà, on va. Oh bah voilà les gars, super. C'est ça qu'on veut. Du tot sa mère. En plus on tombe pile sur le bon truc, donc c'est vraiment du lourd. J'ai quand même. Oh les gars. Putain, je disais quoi, le risque. Kanté, tot. Je voulais tellement le tester. Et Modric, Totti. Bon, Pogba, c'est quand même pas mal. Je suis quand même assez content. Pour l'instant ma draft elle est pas mal. Donc je disais, on va pas trop s'attarder. Voilà les gars, on a pour l'instant la draft elle est franchement pas mal. On va pas trop s'attarder sur les joueurs et tout. Vous avez le temps de voir qui est-ce qu'il y a. Parce que voilà, de toute façon on va partir en match. On va voir si une équipe au hasard peut être plutôt pas mal in game. Et puis voilà, faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà les gars, putain, on se fait niquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que le jour où je fais une draft du style, c'est tout le temps du art man of the match, du meilleur. Bon, je vais pas à me plaindre parce que on tombe quand même sur du Terrea boost et ça c'est du lourd. Mais pour l'instant franchement on a une bonne team. Oh, Coleman, pas mal, dommage. Ivanovic, c'est pas mal aussi. Là on va en prendre lui, de toute façon c'est pas du lourd. Ah, Saul qui a marqué un but de malade contre le Bayern, il a fait un de ses slaloms au match aller. El Shaarawy, mais bon on n'a pas pu prendre Saoul de toute façon. Pour l'instant le banc c'est vraiment de la merde hein. Ah ben voilà, j'ai rien dit. Rose 89, bon c'était pas trop de la merde. Il y avait quand même El Shaarawy, Tsech, Ivanovic, c'était. Oh les gars, je voulais tellement tester Riyad Mahrez. Putain les gars, version héros, je suis déçu, c'est pas grave. Je m'engage à tout en faisant ces défis, les gars. Il y a quand même des bons joueurs, mais. Ah, Mehdi, un bon défenseur que je voulais aussi tester. Il y a plein de joueurs que je voulais tester. Le frère de Pogba, on est passé à côté. Bon, bref, voilà, les gars. Cette draft, on va pas faire trop de changements, de toute façon. On va quand même mettre des pailles ici. Voilà. Est-ce qu'on met. Ah mais à part ça la draft elle est quand même pas mal hein les gars. Est-ce qu'on peut. Oh parfait. Oh encore plus les gars. Tac. Tac. Oh. Ah merde. Attends, j'ai fait une connerie. Attends. Ah voilà. Plus 1. Non. Est-ce que si je mets russe. Ah plus 3. Mais ça c'est du lourd les gars. 8, voilà, on essaie de faire vite fait des petits trucs, on essaie de pas trop prendre de temps. Ok, bon je pense qu'on va laisser cette draft comme ça, elle est pas mal comme ça. Voilà, on va choisir l'entraîneur. Voilà, ça nous augmentera notre collectif. Donc résumé de ma draft, franchement je suis pas déçu, juste le collectif c'est pas du lourd les gars. Mais voilà, je vais chercher un adversaire et on va se retrouver tout de suite quand j'en aurai trouvé un. Voilà les gars, on a trouvé un adversaire. Donc
On va commencer ce match, on va voir déjà son équipe. Ok, on voit qu'il a pas fait le même concept que moi. Putain, la draft de ouf, les gars. Ronaldo, man of the match, Neymar, ouais, Neymar boost. 90, moi j'ai une 91, putain, une 92. Il a eu, oh putain, attends. Je sais plus qui c'est exactement le TOTS défenseur. Messi Totti, Rami, Claudio Bravo, Dani Alves, Felipe Luis, Griezmann, Benzema. Attends, j'ai oublié le joueur défenseur central qu'il a eu, le TOTS. J'ai oublié son nom, attends. Je sais plus pourquoi, les gars. Bref, écoutez, voilà. Ça va peut-être être dur, mais j'espère qu'on va l'éclater, les gars. Donc, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez, les gars, c'est parti, les gars. On commence fort. Oh, le maillot, par contre, il se ressemble bien. Ça va être chaud. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, en plus, les gars. Je sors une vidéo comme ça, j'ai pas joué depuis 4 ans. Non, quand même pas. Tif, ça joue pas tant que ça. Putain, voilà, les gars, je dis de la merde, je parle et de but. Pourquoi je parle de SAG? Regarde. Putain. Moi, je vous dis... Oh non. Oh putain, mais pourquoi je me prends toujours des buts comme ça? Moi, je vous dis... Je vais remonter, les gars. Je vais remonter. C'est pas possible, mec. On peut pas. Ça peut pas se passer comme ça. Non. Oh, les gars. Putain. Et là, j'ai vraiment le seum. Là, j'ai le seum plus que jamais, mais... Par contre, là, si. Il commence à passer toute ma défense et à marquer, là, je vais péter. Oh, putain, mais... J'ai même pas le temps de finir ma phrase, il a déjà marqué. Petit, tu vois, tellement il savait. Pourquoi là j'ai pas fait de passe, tu vois, parce que je cherche trop à faire le coup. Comment il m'arrête ça, le bouffon là? Les gars, tout va jouer sur un corner, ça va être la remontada. On va voir les stats. 51 de possession. 5 tirs cadrés sur 6. 8 sur 4 pour lui. 10 tacles, 8 tacles. 2 corners pour moi. Pour lui, regarde, 83% de pression de tir. Ok, les passes là pour l'instant, je fais de la merde, mais sinon je le domine. Espère 4-0, mais comment c'est possible? Sérieux, tu vas me dire, il est plus fort? Non, gars, et je te jure, s'il marque là-dessus, par contre, là, oh là là, putain, mais comment tu fais ça? Des réas, explique-moi, mec. Vous savez, les gars, j'ai pas honte, je vais vous poster cette vidéo. D'abord, je marquais un but de l'honneur. Même pas. Les gars, j'ai pas honte. J'ai posté la vidéo, tu vois. Pourquoi? Parce que rien à foutre, les gars. Je suis désolé, mais... Je donne tout, là. Ça bug. Il me bat 5-0 alors que je tire plus que lui. Je 4 plus que lui. Je le domine. Vous avez vu la possession, les corners, tout. Fais-moi une passe, quoi. Laisse-moi marquer le but de l'honneur, quoi. Sérieux. Mais non, mais... À quoi ça sert de lui faire la passe, quoi? Même pas but. Voilà. Quoi, mec? C'est quoi, ça? Je le domine, mec. Je le domine. Tu vois, c'est ce genre de but qui m'a mis. Tu vois? J'ai perdu 5-0, les gars. Je me suis fait allumer. Mais franchement, là, ok, deuxième mi-temps, il a eu... Voilà. Enfin, c'était vraiment... C'est vraiment un peu mitigé, ce match. Il a été plus fort que moi, mais il méritait pas, franchement. On retiendra de tout simplement la morale de ce défi, c'est que voilà, faut pas faire ce genre de choses, les gars. Faites une draft, donnez-vous à fond. Non, mais je rigole. Faites autant de défis que vous voulez, les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je me suis fait des glingues. Voilà, on a quand même fait un défi. On s'est fait défoncer, c'est pas grave. Je suis quand même content d'avoir tourné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À liker cette vidéo, les gars. Et à vous abonner. Merci aux 123 abonnés. Ça monte, un truc de fou. Depuis que j'ai dépassé les 100, ça monte, mais comme jamais, les gars. C'est un truc de ouf. Bref, je vous remercie énormément, les gars. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était Raph. Ciao tout le monde.